Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous lisons Pépa va à la piscine. Il y a plein d'autres histoires de Pepa sur la chaîne. N'hésitez pas à en écouter une autre. Quel temps magnifique! Aujourd'hui, la famille Pig va donc profiter du soleil à la piscine. Peppa, Georges, venez pour que votre père vous mette vos brassards. Appelle Maman Pig. George a eu un peu peur. C'est la première fois qu'il va à la piscine. Mais juste un pied dans l'eau pour commencer, lui conseille Papa Pig. Et peut-être même que tu pourrais mettre les deux, dit Maman Pig. Finalement, Maman Pig réussit à convaincre George de sauter et il se sent comme un poisson dans l'eau. Ah Ha ha ha! dit Georges en riant. Oh, bravo, Georges, le félicite, Papa Pig. Tiens, voilà Rebecca Rabbit et Richard, son petit frère, accompagnés de leur maman. Bonjour tout le monde! salut Rebecca. Quick, quick! dit Richard. Richard! Tiens-toi à cette planche et tu pourras t'entraîner à mettre, à battre des pieds, propose Maman Rabbit. Tu veux essayer aussi, Georges demande Maman Pig. <laughs> Flotter glousse Georges. Oh, c'est très bien, les garçons les félicite Papa Pig en riant. Mais essayez de ne pas nous éclabousser. C'est vrai, les grands n'éclaboussent pas leurs parents, ajoute Pépin. Et les grands apprennent à nager, dit Pépin. Quand Georges et Richard auront notre âge, ils sauront aussi bien nager que nous. Hein, Rebecca Bien sûr, confirme Rebecca, tout en regardant les garçons battre des pieds. Armés de leurs brassards, Peppa et Rebecca font la course. C'est si amusant de nager et de s'éclabousser. Oups, Richard a fait tomber son arrosoir en plastique au fond de la piscine. Ouais, maman, crie Richard, c'est trop profond, je n'arriverai pas à le récupérer. Regrette, maman Rabbit. Heureusement, Papa Pig est un excellent nageur. Il ôte ses lunettes et plonge jusqu'au jouet. Oh oh, et voilà annonce Papa Pig en tendant son jouet à Richard. Oui, oui dit Richard. Bien joué, chéri félicite Maman Pig. En guise de remerciement, Richard renverse son arrosoir sur la tête de Papa Pig. Quel coquin ce lapin Georges éclate de rire. Décidément, tout le monde a passé une merveilleuse journée à la piscine. Et voilà C'était une belle histoire de Pepa. Pepa va à la piscine. Il y en a plein d'autres des histoires de Pepa sur la chaîne. Vous pouvez en écouter une autre. Merci.